Et il l'a fait, le titre olympique individuel au Brésil pour Big Star et Nick Skelton. En plus de ça, tout le reste, le mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, l'un des Grands Prix que tous les cavaliers du monde, les cavaliers du haut niveau rêvent d'emporter, et bien Nick Skelton avec Big Star, il l'a fait. Il a gagné grand nombre de Coupes des Nations, super victoire à Dublin, il a gagné des milliers de choses et il est avec nous cette année. Avant qu'il rentre, je vous invite à tourner les yeux quelques instants vers l'écran géant pour regarder une belle rétrospective de ce grand champion. Écran pour Big Star. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à Saint-Lô en 2018, la star mondiale, Big Star! Well, ladies and gentlemen, this is about the climax of the Salon des Étalons de Sport, Big Star. Presented to the French public, a full house here at the Polypique, and they all are amazed by the most successful show jumper of our time, Big Star. Olympic champion with Nick Skelton, obviously not presented by Nick, but by Marc Spalard, son of Greg Star out of the dam, by Nimero. Bred in Holland by Kees Klaver. He bred Big Star using the French top sire Quick Star, who was a performer himself at the highest level with Meredith Michaels. He used Quick Star for his Dutch mare Yolanda Nimero Ramiro Herbal. A phenomenal show jumper, Big Star. He amazed the crowd throughout Europe, wherever he came, people would, you know, hold their breath and watch the best show jumper one can imagine. And now he is available for breeding and being presented here at Polypique. Retired from the sport, available for breeding and being honored here at the Salon des Étalons de Sport. D'avoir Big Star ce week-end devant le public de Saint-Lô et pour les éleveurs normands et français. He was Horse of the Year of the Canopian a couple of years ago, and last February he was honored again in Hertogenbosch at the Canopian Stallion Show as the Stallion of the Year, Big Star. Also presented under the saddle in Hertogenbosch, and now here in Saint-Lô. Semen of Big Star will be available in just about all European countries. Fresh semen. It's sus
Equi Technique, some offering the semen here in Normandy, in France. Still very fit. He's looking as though he could jump a big class straight away. And that's great, that the horse being retired from the sport still is sound, still showing his potential, his liveliness, his energy. And isn't it very, very appropriate that this horse is being honoured as one of the biggest of the history of the sport? We'd like you to come into the middle of the arena, please. Apparently you're here, and please could you come into the center so that you can be, oh, there you go, there you are. Thank you for the photos. Merci, donc India Watson qui représente son papa étalonnier anglais, Tillis Watson. Et habillons le double champion olympique. On l'a déjà vu en France plus d'une fois, avant d'être sacré, il était venu travailler, entre guillemets, à la boule. Double sans faute dans la difficile Coupe des Nations de la Bowl. Tout ça pour préparer les Jeux avec Nick Skelton. Et ce qui est vraiment, vraiment sympa, c'est d'avoir Mark Beaver vraiment avec nous parce que ben, ça fait 30 ans qu'il le suit, Nick, et il connaît Pixar depuis le tout début. Alors maintenant, eh bien,
Nous allons lui demander de se remettre à côté de tous les invités, à côté de la moquette. Et là, les photographes peuvent y aller à cœur joie demain dans tous les médias. Nous devons être au courant que Big Star était là avec les différents acteurs qui vous permettent, si vous le souhaitez, de mettre une jument à ce grand champion, fils de Quickstar, petit-fils de Liberdor, qui nous a tant fait vibrer à la télé pour beaucoup d'entre nous. Et si vous avez eu la chance de le voir en vrai, eh bien, tant mieux pour vous. Et je pense qu'il n'y a pas eu grand monde qui a eu la chance de se mettre sur son dos depuis le début. Alors, Alexis doit en être ravi. Alexis, on va te demander un petit tour d'honneur. Nous, on veut le voir bouger une dernière fois pour un bel hommage à Saint-Lô ici en 2018. Et nous allons pouvoir prendre la cadence. Smiling faces while honoring one of the biggest names of the sport and now of breeding. Big Star. It was being mentioned, not that he won the Olympic title, not just that, but also his big victories were mentioned, like the double clear in the difficult Nations Cup of La Bolle. And for breeding purposes, it was mentioned that this horse has a fantastic conformation. He's big, he's got a wonderful, powerful canter stride, the kind of canter that any breeder is looking for, and he will pass that on to his offspring. A phenomenal show jumper and one of the big promises of show jumper breeding, Big Star. Thank you so much, Big Star. Thank you so much, Mark Beaver, for coming in France with your fantastic Big Star, and see you later. Et merci Alexis de Roubaix aussi de nous avoir piloté et présenté ce grand crack. Allez, donnez-vous rendez-vous au box pour aller le voir, le grand champion, Big Star. Et fils de Quick Star. Eh bien, que de champion, et ça n'est pas fini, je vous le promets, parce que nous allons continuer. Sur votre programme, peut-être Canturo, mais attention, il n'est pas là. Il est là? Il est là, Canturo! Yes! J'avais entendu dans l'oreillette tout à l'heure, j'ai cru, mais si, il est là, et bien tant mieux. Le grand Canturo, le nouveau protégé du Arabe Bois Margot, Canto Bois Margot, dans un cheval. Là aussi, je peux vous dire que ça vaut le coup. Montedellini, qui n'est plus à présenter. Quintero La Silla, le fils du LM Voyageur of Lulu, le crack Prestigio La Silla qu'on a vu hier dans le grand match I Kick My Horse. Titulaire, encore une fois, d'un superbe sans faute. Et puis, tous les champions qui vont suivre. C'est bon, tout est sorti. La moquette rouge est rangée. Eh bien, continuons cette ribambelle des talons du Salon 2018. Et accueillons maintenant le splendide Canturo. Now, ladies and gentlemen, this is Canturo, the Olympic contender by Cantus, out of them by Calando, who jumped at the highest level, Olympic Games, with Bernardo Alves from Brazil, presented to us by Arab Bois Margot. Performer, and he produces champions himself. Improves jumping style with rapidity of the forelock action and gives respect. Et quel palmarès, n'est-ce pas Rodolphe Bonnet qui va vous en parler. On a parlé de Big Star, c'est vrai, on s'en sait aujourd'hui, mais Canturo, lui, il a un palmarès incroyable et puis il commence à avoir une production phénoménale aussi sur la scène internationale.
Laura Dubois-Margo vous en parle. 23 ans, Canturo qui se présente devant vous, en effet, vainqueur avec La Chapelle, à Calgary, à Madrid, et j'en passe, il a fait les Jeux, lui aussi, et beaucoup, beaucoup de produits qui sont également à très haut niveau. Rodolphe Bonnet vous en parlera bien mieux que moi. Oui, on connaît Canturo, a vraiment, il y a 5 ans, on avait fait l'acquisition de Canturo, on l'a ramené en France. Un extrait extraordinaire, vous voyez sur la vidéo avec La Chapelle, lorsqu'il gagne le Grand Prix d'Europe avec La Chapelle, un formidable performeur, il a fait les JO, effectivement, vous voyez son état de fraîcheur à 23 ans, un cheval très dansant, exceptionnel galopage qu'il transmet, et surtout, surtout, c'est le père de Good Luck qui est double médaillé au dernier championnat d'Europe, d'or bien sûr par équipe, et également de bronze. Avec Ken O'Connor, un cheval au passage de dos fabuleux, formidable, Good Luck, mais aussi de plus de 196 chevaux gagnants en CSI. Parmi eux, je vais citer Kanya Makan, bien sûr, Cassius, Hermes de Mariposa, Urus, Comte de la Caccia, Christy et bien sûr le formidable Good Luck. This, ladies and gentlemen, is Canturo, who won many Grand Prix himself. For instance, one of the highlights of Aachen, he's 23 years old, still very fit, and passes on his canter, his wonderful canter, to his progeny. Already sired 25 horses competing at the highest level, 1m60 level. One of them is the great Good Luck, the top horse of Kian O'Connor, one of the best show jumpers in the world, by Canturo. Kanya McCann is another big horse competing at the highest level. Conte della Caccia, Canturado, many, many more. Dolce, Vita, Crosby, they all compete at 1m60 level very, very successfully. Lots and lots of scope, fantastic canter. That's what Canturo gives to his offspring. Vous avez accès avec Canturo, non seulement une aptitude à l'obstacle, incontestable, mais aussi des prix de vente qui sont très très au-dessus de la moyenne des autres étalons. Et les prix ? Alors le prix est assez raisonnable, puisqu'il est à 700 euros à la réservation et 700 euros si jument pleine ou indice. Pour ce type d'étalon, on est à 700 euros at first covering, 700 euros when the mare is in foal, so that's very reasonable. For a stallion of Canturo's standard. Vous avez toutes les informations et qui va laisser sa place, eh bien, à l'un de ses fils. L'un de ses fils est tout simplement son meilleur fils étalon. Son meilleur fils étalon, nouveau protégé du Haras du Bois Margot, et j'entends dans l'oreillette que vous êtes prêt à l'accueillir et à lui aussi nous en parler. Il s'appelle Canto Bois Margot et est en And this is the son of Canturo, Canto Bois Margot, and what has been mentioned before, the way of cantering, that's what we can see here in this horse by Canturo, out of Dan by Limbus, presented by Bois Margot, Canto Bois Margot, one of the young approved stallions of Canturo. Et Rodolphe qui est toujours avec moi, bien sûr. Alors Canto Bois Margot, c'est le fils de Canturo et ce n'est pas n'importe quel fils. Ah oui, c'est le actuel numéro 1 mondial des étalons de 15 ans et moins au classement WBFSH. Donc vous avez vu sa formidable galopade. Irrité de Canturo, bien sûr, que vous venez de voir.
Bon, Kanto est beaucoup plus jeune. Vous voyez à l'écran un de ses fils qui s'appelle Casper, qui est un Kanto avec une mère Kantoum et qui est cinquième cette année avec Bertram Allen du Grand Prix 5 étoiles de Paris, Global Tour. Et Kanto est un formidable étalon. Il est non seulement numéro 1 mondial des étalons de 15 ans et moins, mais également en CSO, mais également en complet, puisqu'il est à l'origine, vous avez vu sa formidable locomotion, non seulement au trot, mais aussi au galop, irrité de Canturo, bien sûr. Ah ouais, avec des produits hein, comme Mr. Candyman qui lui tourne en concours complet. Qu'est-ce qu'il va apporter, sa grande qualité ou ses deux grandes qualités en quelques mots? Bah, vous voyez à l'écran Calafrieda, qui est probablement la meilleure jument au monde, puisqu'elle est quatrième du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, montée également par Bertram Allen. C'est vraiment la grande révélation et la jument d'avenir de Bertram Allen. Vous voyez sur le double de Hambourg, c'est une jument qui a vraiment un gros avenir. Donc quant au produit des chevaux qui ont beaucoup de force, beaucoup de moyens, du chic, c'est déjà le père de 47 camions en CSI. Kanto produces horses with a lot of power and also very chic, very elegant horses. Il va transmettre son galop et éviter le concurrent. Et un étalon dans lequel on prend beaucoup en France. L'héritier de Canturo, bien sûr, vous voyez sa formidable locomotion et notamment son équilibre au galop. On croit beaucoup dans Canturo. And again, the balance in Canto is being mentioned as one of the big, big legacies of Canturo. On l'a proposé pour son arrivée en France à un prix très attractif, puisqu'il est en dessous de 1000 euros. Vous n'avez rien à payer à la réservation, il est à 900 euros, 6 juments pleines ou un 10, avec la garantie poulain vivant. Et vous avez bien sûr le cadeau, un des 4 étalons proposés par le Bois Margaux, si vous prenez une saillie de Kanto offerte. Merci beaucoup Rodolphe, merci à l'équipe du Bois Margaux qui nous a donc présenté à la suite Canturo et Kanto Bois Margaux. Merci. Merci le Bois Margaux. Impressive. Presentation of Kanto, Kanto Bois Margaux, the approved stallion by Canturo, Canturo Limbus Caletto. Il fut le fer de lance d'une équipe d'Allemagne en préparation pour les JO de